pas de fête du fleuve ni de traversée de la Garonne à la nage en cet été 2020. Mais il est toujours possible de profiter du fleuve et de sa fraîcheur. De nombreuses activités y sont proposées. Tour d'horizon au fil de l'eau. La place avant, dans le sens de la Garonne. C'est bon ? Ça vous va ? Une activité proposée par Bordeaux Canoë et accessible à tous dès 10 ans. L'occasion de découvrir Bordeaux autrement. On est passé des vacances ensoleillées, voilà. Le paysage, découvrir Bordeaux. Sous le soleil, ça va être très beau, je pense. On va pouvoir se mettre à l'eau. Aujourd'hui, c'est une sortie qu'on appelle à l'étal. C'est-à-dire qu'on va profiter du moment où la Garonne arrive à l'étal haut, au moment où le courant se stabilise, pour pouvoir naviguer sur la Garonne en toute sérénité et découvrir ainsi le patrimoine historique de la ville. Il y a une découverte qui est proposée autour de la faune et de la flore. De nombreuses sociétés bordelaises proposent des croisières sur la Garonne et l'estuaire de la Gironde. Des destinations au départ de Bordeaux, île de Patiras, île Nouvelle, île Margaux ou encore Cadillac, Bourseau-Gironde ou Blaye. L'association Terre et Océan vous invite à découvrir l'environnement et l'histoire de notre fleuve. Ce qu'on propose en fait, c'est un ensemble d'activités pour découvrir son environnement proche. Donc on essaie de faire un aperçu, que ce soit en départ de croisière ou que ce soit par des balades pédestres. Cette nature qu'on a présente au cœur de la ville, elle est fondamentale à la fois pour nos poumons et à la fois pour notre cerveau, pour notre bien-être.